DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Le plaisir est entier pour nous de vous savoir, de vous retrouver d'abord et de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous apporte, qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en RDC. Alors, l'information du moment, c'est bien entendu, en ce qui concerne la Ligue Foot, il s'agit de la décision du tribunal arbitral du sport, le TAS, qui a donné raison à l'SV Club, et donc l'SV Club devait absolument entrer en possession de son titre, retrouver son titre. Déjà, vous savez, l'SV Club a été pénalisé, n'a pas pu jouer la Champions League de la CAF. Vous savez qu'il y a des retombées financières derrière une participation dans cette compétition qui est largement supérieure à ce que l'autre compétition, la Coupe de la Confédération, peut octroyer. Donc voilà, VEC Club avait bénéficié de cette décision, mais certains, le club, d'abord le tout-puissant Mazembe, et puis Don Bosco aussi, on ne comprend pas pourquoi Don Bosco insiste dans ces dossiers, puisque de toute façon, Don Bosco n'était pas dans la course au titre, mais Don Bosco, comme nous le savons, c'est l'équipe B de Mazembe, donc Don Bosco tente absolument d'aider Mazembe à pouvoir accroître encore son palmarès au niveau national et vraiment sur les terrains. VEC Club avait mérité d'être champion. Voilà donc, dans une correspondance publiée le jeudi 28 octobre, la FECOFA ordonne à la LINAFOOT d'exécuter la décision du TAS, c'est de remettre officiellement à VEC Club son titre illégalement accordé au tout-puissant Mazembe. Alors, je vais vous faire la lecture de cette correspondance, ce document, cette lettre. À Monsieur le Président ad intérim de la Commission de gestion de la LINAFOOT à Kinshasa Gombe, Monsieur le Président, nous avons l'honneur de vous transmettre par la présente pour exécution les dispositifs du jugement du tribunal arbitral du sport. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Donc voilà, là c'est maintenant l'ordre et la FECOFA donne l'ordre. Donc à la LINAFOOT d'exécuter cette décision-là du TAS parce que VEC Club doit entrer en possession de son trophée, de son titre de champion et que ce soit officiel. Donc voilà, c'est dans les dossiers. Le secrétaire général ad intérim, le belge Sitoatala Matuluakila, qui est parmi les signataires, les présidents ad intérim, bien sûr, Donatien Chimanga Mwamba. De la FECOFA, ils ont donné cet ordre à la LINAFOOT d'exécuter la décision du TAS. Voilà donc VEC Club rétabli dans son honneur, rétabli dans son droit. Et je pense que ça doit servir aussi de leçon à la LINAFOOT de mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Parce que vraiment, avec ces équipes B, Maniema Union, tout ça, des équipes frères, je peux dire, de sœurs. Parce qu'il s'agit des clubs, tu vois, des équipes sœurs qui sont affiliées dans les mêmes compétitions, ça engendre toujours ces genres de frustrations et également ça provoque aussi des matchs arrangés, donc c'est pas une bonne chose. Déjà, c'est pas évident de pouvoir canaliser l'arbitrage, mais maintenant, si en plus de ça, les joueurs sont habitués à laisser filer des résultats, ça c'est pas une bonne chose pour notre championnat local. Donc je pense que il faut que la LINAFOOT mette aussi de l'ordre dans cette histoire par des textes, par des règlements qui empêchent qu'un club, une personne puisse détenir plusieurs clubs dans une même compétition. Ça, c'est vraiment politique, ce n'est pas du tout une bonne chose. Donc voilà, maintenant, Nalobamo Analinga, là, pour
peuple congolais a supporté avec leur bon sens d'apaisement na bino déjà fait kofa et coïncidité donc il faut absolument décision na ya tasse et à la exécuter donc décision na ya tasse où il peut si vite à raison où il lobby qui vite en tabima qui champion où il débouta qui Don Bosco dans les dossiers matutal. Donc quand en profondeur ben voilà quand même la Fekofa et Fekofa ils ont eu quand même occasion qu'on se réhabiliter moi moqué parce que makambo belé ma bé bima qui na Fekofa wana boy dossier où il y a Gelo Kanga ba ni ba dossier à Kalawana ba Chancel Mbemba ba ni où il y en a ni comment il s'appelle encore Boalia voilà. Oui, bah Walter Boalia, ma licence na bango, ma licence est belle, ma date de naissance qui sans compter, sans oublier même dossier oui, Arsène Zola, oui, même ça qui bison Gambo, tout ça qui est éliminé alors que sur le terrain on avait gagné. Vous voyez, vous gagnez sur le terrain puis après na ba bureau, ma décision sur Bima, bani. On a vu beaucoup de cas comme ça, beaucoup de cas. Il y a ma licence, il y a ma B, beaucoup de cas. Donc, il faut vraiment tout les articles numériser, penser dans l'informatique et tout ça dans le 21e siècle quand même. Ma licence, il y a ma papier, on a ma signature. Il faut tout dire quand tout doit maintenant être informatisé. Et pour les un peu sécurisé quand même. Fichier, ma fichier, la bise, on a les informatisé afin que tout transmette directement dans la CAF. Il y a un bon maki biso na dossier où il y a Gelo Kanga parce que évidemment quand tout est sur papier on peut n'importe qui rokené ko benda dossier en haut à côté ici document mon sous et voilà on se retrouve que la CAF n'était pas au courant, la FIFA n'était pas au courant, on a été débouté et pourtant nous avons raison dans les dossiers de Gelo Kanga, nous avons tout à fait raison. Et puis la même Fekofa n'a habité sur le côté qui recoupe la tasse parce que tasse est plus si vite à raison alors que dossier Makambo Gelo Kanga est qui avant Makambo y a vite à club. Donc vous voyez un peu des ordres et des réunions avant l'élection et au Salimana Fekofa pour que le président a ce qu'il a Fekofa. Il faut totalement ordre vraiment dans le règlement, tout zone qui est dans le sens total. Et là, on a une mabé, il y a mabé et les cas qui sont dans le boulot et les qui sont dans le boulot et les qui. Et puis tout me kako bongi ça non, tout me kako bongi ça parce que c'est pas normal que chaque fois biloko isa le marka au parc au cas par cas biloko isa le marka na ba dernière minute, il faut que quand même Fekofa isa na caisse na mbongo isa na bon compte bancaire mbongo ya Fekofa. Tout bas ma kambo soki ya ba léopard dame wana soki bimi soki ye ezalate que tous de la raison mbongo ou tamba ministère bo yango ne so bo mamboka. Quand même, Fekofa, ils ont la caisse, quand même, Fekofa, ils ont la rentrée financière. Fekofa, ils ont en charge, quand même. Makambo, il y a la prime, il y a la nini. Pourquoi toujours Fekofa, il faut qu'ils aient la caisse. Bon, il faut dans le ministère. Bon, on a eu Fekofa, rôle dans les années. Vous voyez, c'est donc ces gens-là attendent que le ministère, le gouvernement puisse sortir l'argent pour Mongo, Bango, Bazan, on a pas caisse, on a pas Kabola, Rango, Bango, Bango. Et ça, normal, c'est ça qui cause malheur et belé dans le football, dans le Sengi, ordre et quota. En tout cas, félicitations à Vita Club. Bah, Kenak dit dans ce dossier, c'est les ça qui est intimidé par Maloba, Bimaki, Wana, Boina, Boina, menace, et puis Nini, surtout. Nègre Fekofa a retourné qui veste là parce que Fekofa a pensé qu'il a vite a raison et puis après Fekofa les sous avec Owangana Makamwana et on a vite attaqué qui m'a tasse. En tout cas bon t'es là mon DMTV et souhaite bien une fois de plus un bon week-end na Esika Bozali donc ceux qui vont se payer la réflexion Oyo pour vraiment tout kende na championnat sikandi ke bandi boye na makamo sous total na simati vite à récupérer titre na vite champion mais voilà. Maintenant, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée ou bien une bonne journée. Ça dépend de l'Aéro Brolanda. Élément Oyo. Bobo Sanate, qu'on like, qu'on partage, qu'on s'abonne. On a s'abonner. Parce que ton tout décollé. Tout le monde le mois de novembre. Ils ont dit moi à Makambo. Ils ont dit moi Oyo. Tu rejouer dernière carte Nabiso sur ton guide qui est la Coupe du Monde. Pour te calmer, madame.